Twip. Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois en direct de ma voiture pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Adricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en une seule fois et sans filet. Aujourd'hui, on va parler d'expérience de lecture, on va parler plus particulièrement d'un volume proposé par la collection Marvel Dark, que vous pouvez retrouver normalement encore à l'heure où je tourne cette vidéo, qui est encore disponible du moins dans l'enseigne Carrefour et chez certains libraires s'ils ont la possibilité de commander ces titres-là. Ce volume, donc, c'est le numéro 4 consacré à Doctor Strange, dit le sorcier suprême. Il y a deux récits dans ce volume et j'ai particulièrement apprécié découvrir ces histoires. Dans un premier temps, nous avons un récit proposé par J. Michael Straczynski au scénario et mis en image par Brandon Peterson. Brandon Peterson est un dessinateur dont j'avais énormément apprécié le travail dans les années 90 sur un hors-série consacré à Spawn, à savoir Medieval Spawn Witchblade, où on découvrait un Spawn version moyenâgeuse qui devait s'associer avec la détentrice, donc à l'époque, de la fameuse Witchblade, et faire front commun contre une menace commune. Et j'avais vraiment apprécié le trait très dynamique, parfois un petit peu brouillon, inachevé au niveau des contours, mais qui donne vraiment du peps, je trouve, au style de Peterson. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette première partie. Ici, Peterson est vraiment au top de sa forme. On a affaire à une histoire qui va rappeler énormément ce qui a été proposé dans le Marvel Cinematic Universe, donc dans le fameux MCU, le film consacré à Doctor Strange par Scott Derrington. Ils ont puisé en grande partie leur récit dans cette mini-série consacrée créée par J. Michael Straczynski et Brandon Peterson. Là, nous avons affaire, encore une fois, à un chirurgien énormément imbu de sa personne, très arrogant, mais qui n'a pas de grosse carrière au moment des faits. Il termine ses années de médecine. Il fait bonne figure auprès de son mentor de la profession en participant à une mission humanitaire. J'ai du mal à articuler, je crois. Et lors de cette mission humanitaire, l'un de ses patients n'est autre que Wong, avec qui il va avoir une affiliation, vous vous en doutez. Sauf que les choses ne vont pas évoluer dans le sens où Strange l'entendait. Donc oui, moi je dis Strange parce que je fais partie des vieux lecteurs qui disent les numéros de Strange et pas Strange. Bref, petite digression mise à part, nous découvrons un récit à la fois complémentaire et différent de ce qui est proposé au cinéma. Et il y a une menace commune à ces deux supports, qui est Dormammu, vous vous en doutez, ou peut-être pas. Mais dans le plaisir de la lecture va revenir essentiellement au fait de découvrir comment les choses vont s'enchaîner pour ce personnage, comment les relations vont se tisser entre les nouveaux protagonistes qui vont croiser sa route. Je ne peux évidemment pas résister à l'envie de vous montrer quelques planches. Une planche qui va vous faire tilter si vous êtes familier avec l'univers du MCU au cinéma. Ça rappelle énormément le hall du sanctuaire de New York. On est d'accord. C'est l'un des différents éléments communs que vous pouvez retrouver entre les deux médias. J'ai vraiment apprécié cette première histoire qui est complète. Donc là, c'est plutôt cool. Niveau découverte, on a une histoire complète. La deuxième partie, en revanche, c'est le début du run scénarisé par Jason Aaron et dessiné par Chris Baccalo. Je rappelle qu'un run, c'est une période pendant laquelle, sur plusieurs numéros, une même équipe créative va proposer une ou plusieurs histoires. Voilà.
Cette deuxième partie, on va être... Comment dire ça de manière politiquement correcte ? On va être sur de la trépanation symbiotico-maléfique. Voilà. En fait, on va découvrir une infection grave, une infection mystique qui va toucher en particulier le personnage de Wong. Et Strange va être dos au mur parce qu'il va avoir à faire des choix assez complexes, assez difficiles. Et j'ai kiffé. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ce titre. Si bien qu'au départ, j'étais un peu déstabilisé. En fait, les premières planches ne sont pas dessinées par Chris Baccalo, mais par Fraser Irving et Kevin Nolan. Je crois qu'il intervient sur la fin, parce que je vois qu'il y a plusieurs... Donc oui, non, je pense que c'est les deux. Fraser Irving et Kevin Nolan. Et c'est seulement par la suite que l'on redécouvre avec grand plaisir le trait de Chris Baccalo, que j'avais découvert, moi, à l'époque, sur le comics Génération X, où l'on suivait le quotidien de jeunes mutants, la nouvelle génération de X-Men. Et j'aime beaucoup en fait ce style très dynamique, très cartoony de Baccalo, qui peut s'apparenter dans les très grandes lignes à un style cartoony qu'on peut retrouver chez Humberto Ramos ou Joe Madureira pour le côté très dynamique, très cartoon quoi. Et je ne saurais que trop vous recommander en fait l'acquisition de ce titre si vous voulez vous faire une expérience de lecture qui ne soit pas du super-héros, mais qui a des affiliations avec l'univers Marvel. N'hésitez pas, foncez sur ce numéro, c'est franchement du bon, c'est Doctor Strange, donc là ils l'ont intitulé Récidive. C'est le numéro 4 de la collection Marvel Dark, disponible chez Carrefour ou chez certains libraires. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Petit point Ulule très rapide, nous sommes à l'heure actuelle à 25%. Il reste un peu moins d'une vingtaine de jours pour arriver à remplir l'objectif du projet Alric Origin Story, qui est un comics que j'essaye de mettre en place et que j'essaye de vous proposer pour avoir une version physique. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, à participer, à liker, à partager sur vos réseaux sociaux. Ce projet ne peut exister que grâce à vous. Voilà. Là c'est bon, cette vidéo est vraiment terminée. J'étais un petit peu plus long que ce que je pensais. Si vous connaissiez ou non ce titre que je vous ai proposé aujourd'hui et que vous voulez partager votre expérience de lecture, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Je rappelle que cette chaîne est aussi la vôtre. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Moi, je vais arrêter cette vidéo au moment où il commence à pleuvoir. Donc, je vais me tremper tranquillement. D'ici là, si vous vous sortez, protégez-vous, portez-vous bien, sortez couvert, tout ça, geste barrière. Et d'ici là, prenez soin de vous, plein de funkitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Il faut vraiment que je potasse ma catchphrase de sortie. Allez, bye.